Bonjour, c'est Fais la TV en live. On est au salon de l'auto. Salut, Pat. Salut. Bonjour. On est en live. Papa, tu veux dire si tu peux emprunter. On va faire un quiz déjà dès le début du live. Ah, man, vous regardez pas ça en ce moment. Si vous regardez ça. Excusez-moi. Combien ça coûte ça? Vient de Pologne. Quoi? C'est fabriqué à Pologne. Pologne, c'est une ville en Italie. Ma réponse était? C'était S. Sans option. Alors, ça a déjà commencé. Là, on s'est chaîne de connecter sur le Wi-Fi du salon de tout. Alors, le live peut aller. On peut se passer. Ah, t'es le pain. T'es le pain. Ouais, on peut y aller. Là, il faut que tu penses, c'est que tu filmes. Si tu cours comme ça, là, c'est que tu vas voir l'écran sur le King, ça. Ouais, non, je sais, je monte, je check mon écran. Peux-tu l'arrêter? Non, je suis encore en live, hein. Quoi, qu'est-ce qu'on va pas recommencer un autre live pour ça, pas? Fake boy, à ta salle de l'auto. Bon, mais c'est mon premier upload dans quoi, 6 mois que ça va être? Tu fais comme ça, comme ça. Ce qu'on voit dans la vidéo. Ça fait 2 minutes et 6 ans pour un live. Hein? Mais c'est le salon de l'auto, moi. Faire un live de ça. Mais pendant qu'on marche, j'aime mettre sur ma face. Fait que là. T'as quelque chose à dire, papa, pour votre salon de l'auto? À date, est-ce que t'aimes ça? Oui. Bon, ben, on est arrivé à la même meilleure partie, le shop. J'en ai pas besoin. I don't need it. Woo! Des chandails. Ah, ce serait tout beau ça sans moi. C'est trop grand. Non, c'est trop grand. Hein? Mais je peux pas, pas leur fermer puis leur ouvrir. Ça va faire 2 lives. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Viens, mon ange. Merci.
Je vais pas faire ça. C'est pas smart. Parce que ça va en ligne de toute façon. Parce que check ça pas. Avec tout ce qu'il y a là, je peux faire ça. Je me dis peut-être si j'en enlève une de ma chambre puis j'en. Non? Ça va aller en ligne. Ça va aller en ligne si j'arrête. Puis ça va. Je peux pas juste faire pause à un live, pas. Allume d'abord. Non. C'est intéressant. Pas y a un. Non. Personne va t'intéresser par ça. T'avances parce qu'il y a personne qui check le live en ce moment. By the way, tu pourrais-tu aller sur mon live juste pour le share? Hein, pas? Quoi? Tu pourrais-tu le mettre. Ah. Oh, ouais. Ouais, non, je sais. Non. Mais non, je me décrotte pas le nez, pas. Je me décrotte pas le nez, pas.
Non. Non. J'ai dit que tu sais mon live pour que des personnes rentrent. T'arrêtes de me dire t'arrêtes. Une belle McLaren. Tu sais quel modèle ça? McLaren. Ouais, mais quel modèle? Je sais que c'est une McLaren. Ça, c'est une 570S en avant la bleue. Parce que tu sais, sur la plaque. Non. Je connais absolument la McLaren. Je pense que c'est américain, ça. C'est un base price. C'est un base price. Nope, c'est juste pour couper et pour couper. Combien? Je suis là jusqu'à 13 minutes pour répondre. Quoi que j'imagine que personne ne pouvait faire pause. Ouais, il y a un bouton pause. Bon, c'était... Mais ça, c'est pas le prix de base, le prix de base. Non, de base, le prix de base, c'est ça. Le permis n'étant. Oh, la. Nous parlons. Pas ça maintenant. C'est ça. C'est ça, son prix de base. Ça, c'est la bleue. Là, maintenant, ça, son prix de base. Ça, c'est 312 000. Ça, c'est 450. 0 à 5 km à 3 secondes. Pendant que j'ai dit ça, là, j'ai pas passé à 5 km. On est en deux fois, là, faut que ça prenne 6 secondes, mais ça va. Mais c'est la première fois que j'entends le nom. Petite bosse. Pas tant cher, mais hein? Sais-tu, c'est beaucoup moins cher le VUS Maserati. Il était beaucoup moins cher que je pensais. D'après toi, il est combien? Il est 137 000. J'aurais pensé, moi aussi, qu'il aurait été au moins 200 000, mais même pas. Si on va juste passer ça. Toute la démarche, toute la fin de la.
Salon du vélo de Montréal. C'est nous, on a les idées, eux, ils ont les, le fric. C'est un vélo debout. Quoi? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est juste celle-là qu'on peut monter dessus, ok. Je vais pas attendre que. Hey, papa, check. Ils vendent ici toutes des places pour de la charge électrique. Sur une affaire, sur une base même bien simple, le two-wheel drive, c'est comme le plus basic des slash. Ouais. Ça a fait quelque chose de super la fun. C'est un moteur rush tout sur quelque chose de. Puis vous le commandez à distance, ça, c'est... Ben, on peut encore le commander à distance si on veut, mais en fait, présentement, on a collé plein de trucs qui permettent de... En fait, c'est l'ordinateur simplement qui va prendre des commandes. Donc, par exemple, je vais peser sur A sur une télécommande, genre d'Xbox, puis lui, il va dire, bon, ben là, présentement, je cherche une ligne, puis à partir de maintenant, je vais continuer à suivre cette ligne-là. Puis c'est le premier algorithme, mais éventuellement, on va travailler avec ce qu'on appelle des GPS différentiels qui font de la triangulation pour avoir une localisation hyper précise. Ben, run! Oh, c'est lourd! Ça paraît après là, peut-être, mais je vois qu'il est en télé. Et ça, va être vraiment léger. Non, pas tant que ça, finalement. Papa. Coco. Bon, let's go. Non. Toi, tu commences à voir. Hein? Il est quand même midi et quart, là, devant. Si t'as faim, toi, ça, c'est si t'as faim, là. Moi, j'ai quand même un peu faim, mais pas tant. Bon, mais on va se dépêcher de finir cette partie-là après ça. Le live va finir. On va revenir pour la partie après le midi. Ouais, c'est pas bientôt, mais c'est pour dire que, ben... Ah, pour le démarrage du véhicule. Donc c'est des batteries au plomb, mais avec... Ok, ah, donc des nouvelles batteries au plomb, là. Là, tu veux-tu checker? Okay. Ah, ok, c'est de remplacer la batterie au plomb par une batterie au lithium, tout simplement. C'est d'accord, évidemment, elle va être plus chère. C'est ça. Bah, c'est sûr que les batteries au lithium-ion, quand même, elles fonctionnent bien à basse température. Elles ont aussi plus puissantes en général, c'est-à-dire qu'elles vont délivrer quand même de l'électricité plus fortement qu'une batterie au plomb. Donc, c'est sûr que je pense qu'elle doit. Après, il faudrait comparer exactement. Après, ça dépend de la taille de la batterie. Batterie lithium-ion, c'est quand même aussi réputé pour être stable. Assez longtemps. Donc, par rapport au plomb, je pense qu'il y a un gain à ce niveau-là, et par rapport aussi à la puissance de la batterie et à basse température, il y a aussi un gain qui justifie la différence de prix. Je vous rappelle juste avant de prendre une autre question, hein, les questionnaires que vous avez dans les mains, il y a des petits numéros dessus. À la fin de notre discussion, on va faire un tirage au sort, donc gardez-les bien, on va s'en reparler. Monsieur, vous n'avez pas les questionnaires, mais mon amie Julie qui est là, voilà, on va vous faire participer, c'est on ça. On y va. D'autres questions sur le développement des batteries. Moi, il y a une qui me vient là, quand il fait dehors là. Pourquoi quand il fait froid, une batterie, en règle générale, là, c'est pas terrible? Puis est-ce qu'on a des chances d'améliorer ça? Alors, il y a deux aspects là-dedans, c'est que quand il fait froid, théofatbike.com. Ça, ça s'apprend.
name. That's huge. Oh my god. Ça coûte 500 000, ça, celui-là. Ça coûte 625 000, là. Salut, Mohamed. Oh, deux personnes. Deux personnes dans le live. Oh, bon, ben, salut. Attendez, là. Bonjour, alors deux personnes sont en live là en ce moment. On entend dans un tunnel noir. Plein de secrets. Ah, oh, mais pourquoi il y a juste un puis deux? Ah, ok, parce que moi j'aime bien. Ça, c'est les voitures qui coûtent le plus cher. S'il vous plaît. Like la live. C'est en bas, puis live en bas, puis live. Non. S'il vous plaît. Vous avez deux personnes, il y a 30 secondes. Ça, c'est la première des trois, je pense. Ça, c'est Queenie Snag. Ça, c'est une Queenie Snag. Excuse-moi. Ajera. Non, c'est Ajera. Non. C'est ce que je pensais. Pas à toi, c'est ça que je disais. Koenigsegg. Et en plus, selon ta voix, je savais pas. Pas. Comme ça, et non comme d'autres personnes. Il y a de la rotation. Comment ça roule? Ah, désolé. Pas, c'est où? C'est toi qui m'as tapé sur l'épaule? Oh, des lasers. Ça, c'est la Bugatti, hein? Ah, c'est prévu. Oui, ça, je sais tout ça sur ces Bugatti là-bas. La longue circonstance, j'aurais adoré être là. J'aime mieux l'autre. Ah oui. Tout blanc. Wow, one kill. Je vais vous promettre une deuxième partie, mais première. Bon.
C'est super beau, hein, pas la Bugatti? Il dit que je suis en live. Fred Live. Je vais juste mettre Fred Live. Fais une autre TV. Live Vizina TV, parce que là j'ai deux chaînes, fait que ça serait pas, tu sais, peut-être. Ouais, justement, by the way, j'ai deux chaînes avant qu'on continue à tomber dessus. J'ai deux chaînes, allez vous abonner et liker mes vidéos de Captain Versus Machine Gaming, s'il vous plaît. Alors, sans plus tarder, la troisième voiture, là. Mais ils ont tout le genre de bois en dedans, même. Oh my god! C'est collant. 100%. Papa, elle est 100% québécoise. 100% québécoise. OMG! Wouh! Salut Jeff! Ouais, vraiment cool. T'as modésumé ça, là. C'est juste ça. Oh god! Wow! C'est 100% québécois, ça. Salut JF! C'est 100% québécois, ça. Ah, oh, et puis on vient de voir la Bugatti chez Renata. M'a revenu, je vais te montrer ça, la Bugatti, là, comment ça a l'air. Hop, 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 hop. Ça, c'est la Bugatti qu'Antoine a conduit. Ouais, je l'ai vu. On est passé devant. Ouais, non, malheureusement, elle est pas dans le live. J'ai starté le live après. Mais ouais, mais ça, je l'ai. Ça, Antoine l'a conduit. C'est lui, justement, qui l'a placé dans ce carré-là. Ça, cette affaire-là, c'est 5 millions. Moi, j'ai essayé. Bon, je m'en vais voir ça. Là. Ouais. Hey, pas JF, il est dans le live, check ça. Il m'a demandé si j'avais vu la voiture Antoine. J'ai dit, ouais, malheureusement, il est dans le live. Tu peux pas le voir, là. Mais elle a passé à la télé, la voiture Antoine, là. Elle a passé à la TV, la nouvelle, il montrait pendant, je pense, 5 secondes les nouvelles avec les voitures Théo, là. Puis il y avait la voiture d'Antoine. Ah, t'as pris une photo des nouvelles? Ah ouais, mon papa, il a pris une photo, il peut te l'envoyer. Il pourrait te l'envoyer, là. Nice, tellement. Ah non, mais on est en train d'y aller là. Non, mais je veux dire, on a quand même... Père, il a déjà pris une photo, il peut te l'envoyer là, tu sais. Ah, il y a des caricatures. 5$. Quand même, ouais. Moi j'ai pris une photo. Moi j'ai pris une photo, dans le fond, il y a un bout de Volvo. Puis le bout de Volvo, tu peux monter au top pour voir tout le monde. Puis il y avait l'air d'avoir quand même beaucoup de monde là. Je pourrais te le montrer, te l'envoyer la photo, là, mais il y a pas mal de monde. Mais tu sais, il y a pas mal de monde, mais pas trop, tu sais, genre, on peut circuler, mais on voit quand même qu'il y a beaucoup de monde dans les salles. C'est ça ce que je dis. Ouh, toutes les petites voitures. C'est quoi ça?
des vannes. Les batteries d'air, ça va. C'est quoi? C'est bon, mais je de la scène plate. Non. 80 maintenant. Non, ça, c'est la main qu'elle a là-bas. Là, il y a Christian. Il y a la DeLorean. Check ça. C'est là-bas. I. 120. Oh, j'ai oublié ça, je me disais waouh! Ah, mais Pat, tu pourrais me filmer pendant que je fais le concours? Tiens, s'il te plaît, ça là. Bon, prénom, c'est quoi ça? C'est deux jeux séparés. Ça, c'est pour la mère, ça, c'est pour la mère. Déjà qui vient, pas raison de la faire. Déjà qui vient. Déjà qui cool ce jeu là. Le texto drop. Lex à sa fille, c'est pour laisser ce simple exemple. Oui, c'est pour ça que vous savez, comme ça. Wow. C'est toxique. Ah, parce que c'est un charme qui a été causé à cause du texto. Lex à Sophie. C'est vrai? À cause que checké le texto Lex à Sophie pendant 2 secondes. Ich. Donc, Laura, 2015, 19 ans, premier. 19 ans. Combien des places au Québec, ça fait de Montréal, il est passé à ce niveau. Laura, elle reçoit un message texte de son chum. Vous savez, les gars, hein, on est tous impatients. Qu'est-ce qu'il est capable maintenant? Regardez bien, on va apprendre à être patient aujourd'hui. Elle envoie un message texte, elle regarde c'est quoi, c'est intégrisé. Ce que vous voyez là, c'est la réplique du travail des pompiers pour sortir les restes de Laura. Donc, ben, ça ne rappelle pas dans la prochaine seconde. Vous pouvez attendre une couple de minutes. Vous voyez les voix, il faut tourner. Et tabarnouche. C'est... Oh, it's an advertisement meant for the airbag. A little? Mm-hmm.
réplique d'un véhicule accidenté en 2015 à Rivière-du-Loup. La fille, sa belle fille s'appelle Laura, elle a 19 ans. Tabarnouche, t'as-tu vu pas ce qui s'est passé à la fille? T'as-tu compris? Oui. Moi, je vais l'arrêter là. Bon, mais là, on va manger. Alors, elle va bientôt arrêter. Je peux pas vous promettre une partie 2, mais peut-être. Peut-être un propos moment. Avant de nous quitter, on va se quitter avec cette belle image de la BMW. Alors, on se revoit peut-être.